Pourquoi il y a des numéros? C'est pour dire. Donc voilà, alors ça, c'est les PM Planner. Le but du jeu, en fait, c'est de faire le plan de vol et de l'injecter dans le robot Marius. J'imagine. Donc on va décoller de chez Mémé, hein, comme d'hab, hein, de chez Brigitte, là. Ok? Donc voilà, notre home location est bien mise là, avec une altitude absolue de 600 mètres, qui sera notre niveau de vol. 525 mètres pour l'église d'Argonnais. On est un petit peu en dessous, 515, donc hein, comme ça, on a 90 mètres relatifs au sol. Voilà, donc après, pour ajouter des points, bah, c'est tout simple, hein. Il suffit de cliquer. Ah, on va se balader là, on va se balader là, on va se balader là. Allez, on va aller chez mes parents. On va chez papy et mamie là. Hop. Faire coucou. Coucou. On remonte par le pressou. On coupe par Marseillane. Et on rentre. Donc voilà. Et après, on sauvegarde notre fichier qu'on balance sur l'Arduino. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir le graphe de notre vol en altitude. Donc ça c'est chouette, hein, Marius. Voilà. On peut aussi régler des caméras. On peut avoir un overlay avec un fichier Google Earth, on en a déjà un. Tu vois, t'imagines? T'imagines, ça c'est super chouette, quoi. Là en bas, on a tous les waypoints. Voilà. Qui peuvent être transformés en lieu de take-off, en return to launch. Loiter. Oui, va regarder si maman est là. Donc voilà, chaque point est éditable. On peut mettre un petit nom, on peut l'effacer, on peut spécifier une altitude. Donc voilà, petit aperçu de l'organisation, la programmation de l'autopilote pour faire des petites missions de vol autonomes. On peut voir que le compas marche. Hein, il marche le compas, Marius, t'as vu, ça bouge, hein. Bon, il y a encore des petites choses à régler. Au niveau des statuts, je n'arrive pas encore à faire sortir les logs du sonar. Le GPS est à zéro, il faut qu'on l'active. Hein, Marius? Ouais, le GPS, il est à zéro. Donc voilà, mais déjà, on a pu charger. Ça c'est bon. Hein? Non, j'ai pas encore fini. Voilà. Donc ça, le flight planner, eh ben, on va s'en servir plus tard. Simulation, c'est pour ce soir. Je suis ma configuration. Hein? Ouais. Donc là, j'ai toute la configuration de trucs. Après, au niveau du setup, donc ça c'est pour quand je branche la radio. Là, on peut choisir le flight mode, mais je suis pas connecté. Enable compass. Enable sonar. X. Donc voilà, pas mal de bidouilles à faire quand même. Il y a du boulot.